Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Iceberg, cadre de la 14e étape de la Coupe de France. Pluie battante, rafale de vent, toutes les conditions semblent réunies pour rendre dantesque la seule course professionnelle du Nord-Pas-de-Calais. Au lendemain de l'Eurométropole Tour, un plateau exceptionnel s'aligne au départ. 7 équipes World Tour, dont la Groupama FDJ, emmenée par son leader, Arnaud Démare. Après, c'est 3 semaines que je n'ai pas couru. C'est vrai que ça, voilà, je sentais qu'avec le froid, ça tétanisait quand même pas mal. Il faisait 9 degrés, donc c'est des conditions pas faciles. Ouais. Et c'est une journée qui va être encore difficile avec la pluie. Voilà, il y a de nombreux coureurs qui sont tombés, donc on verra comment ça se passe. Hier, on était déjà quasi les seuls à contrôler pendant un bon moment avant que d'autres viennent nous aider. Aujourd'hui, on va s'attendre à une course de mouvement, donc avec le temps, ça va péter de partout, c'est sûr. Fort de ses 67 succès cette saison, l'équipe Quick-Step s'avance en favori. Le sprinter Fernando Gaviria, le nordiste Florian Sédéchal et surtout le retour prématuré de Philippe Gilbert. 2 mois après sa chute sur le Tour, l'ancien champion du monde est déjà de retour aux affaires. Je suis content d'être au départ d'une course et d'être ici à Iceberg. Et voilà, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis ces 2 mois et j'ai travaillé beaucoup pour revenir. Et je pense que c'est un peu un exploit d'être là aujourd'hui parce que tous les docteurs me pronostiquaient 3 à 4 mois d'arrêt minimum et après moins de 2 mois je suis déjà au départ d'une course donc, et je pense avoir quand même un minimum de conditions donc j'ai bien travaillé. Ouais. Il y a quand même, malgré que c'est une course 1.1 qui est le niveau le plus bas qui existe en cyclisme, il y a un niveau assez relevé avec pas mal d'équipes avec des coureurs en forme donc je m'attends quand même à avoir une course assez difficile et puis comme vous l'avez dit, la météo, la pluie, le froid et le vent vont rendre la course sélective. Autre équipe World Tour au départ, la BMC. Jean-Pierre Drucker est en forme, deuxième à l'Eurométropole Tour. Il sera entouré de Tom Bolli ou encore de Dani Lovis. Chez les Français de Cofidis, on défendra la place de leader du classement général de la Coupe de France, d'Hugo Hofstetter, qui compte 45 points d'avance sur son dauphin. Et on comptera sur Christophe Laporte pour aller jouer la victoire. Une victoire obtenue l'an dernier par Benoît Cosnefroy, il était alors sous les couleurs de l'équipe de France. Il épaulera aujourd'hui Oliver Nessen, vainqueur à Plouay et très en forme en cette fin de saison, et également Samuel Dumoulin, deuxième au classement général de cette Coupe de France. Autre coureur très en forme en cette fin de saison, Mads Pedersen, vainqueur de l'Eurométropole Tour. Il tentera la passe de 2 au sein d'une équipe Trek très compétitive avec Jasper Stuyven et John Degenkolb. Ouais, la météo n'est pas idéale aujourd'hui, mais c'est un lieu où j'aime courir. Ça va être très compliqué aujourd'hui avec ces conditions, mais bon, on ne peut rien y faire. Je pense que nous avons une équipe très compétitive, peut-être même la meilleure de la course. Et ça, on va devoir s'en servir. On verra comment ça va se passer, les conditions météo vont rendre la course très dure. Il va falloir être à l'avant toute la journée, ça s'annonce très dur. Vous le voyez, les conditions météorologiques sont extrêmement difficiles. Les imperméables sont de rigueur, il pleut beaucoup sur Iceberg. Mais il y a également du vent, le départ n'est pas encore donné mais les coureurs sont déjà trempés. Le thermomètre, lui, n'excède pas les 14 degrés. Cette course s'annonce d'ores et déjà très compliquée. 11h55, le départ est donné, c'est parti pour 175 km. Les organisateurs ont décidé de réduire le parcours. Il n'y aura pas 6 mais 4 tours en fin de course en raison des conditions atmosphériques. Cela porte la distance totale de 199 à 175 km. On attaque par 3 tours de 6 km 500, puis les coureurs aborderont le grand circuit avec un vent de 3 quarts d'eau, ce qui forcément pourrait être favorable aux différentes bordures. Un plateau exceptionnel de sprinteurs pensait se disputer la victoire dans les rues d'Iceberg, mais la météo risque de rendre la course incontrôlable. Pascal Ackermann, l'un des sprinteurs en forme du moment, a été victime d'une chute sur l'Eurométropole Tour. Il ne s'aligne finalement pas au départ. Il y a donc une équipe de moins pour aider au contrôle de la course. Une course débridée dès son entame sous l'impulsion du Cambrésien Quentin Jauregui. Le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale accélère en tête de paquet pour essayer de créer des premiers écarts.
Il souhaite évidemment profiter de ce premier circuit long de 6 km 900 et qui emmène les coureurs de Isberg en direction de Garberk pour essayer de prendre quelques longueurs d'avance, essayer de faire une première cassure. Outre Jauregui, on reconnaît également à l'avant Johan Ofredo dans les premières positions. Ça va être une course de mouvement. Il vaut mieux avoir un coup d'avance pour ne pas jouer battu. Les coureurs le savent et sous une pluie qui s'intensifie, la première échappée est donc très disputée. Même les équipes World Tour essayent de se mêler à la bataille à l'image de la Quick-Step et des Bora qui tentent de placer un homme à l'avant. Il faut attendre une petite dizaine de kilomètres pour que 4 hommes prennent quelques secondes d'avance. On retrouve la Quentin Jauregui, le coureur d'AG2R La Mondiale, très actif depuis le début de la course. Il y a également Michael Frolich Honoré pour la Quick-Step Floors. Connor Swift, le champion d'Angleterre qui courait pour Madison Genesis et qui est dorénavant stagiaire pour l'équipe Dimension Data. Et il y a également Kenneth Van Bilsen, le coureur de Cofidis. Mais leur avance est précaire, le peloton réagit vivement à cette attaque. On ne laisse pas sortir. Avec la pluie, la bagarre continue, elle s'intensifie même. Et pendant une petite quarantaine de kilomètres, plusieurs coureurs vont tenter de s'extraire sans succès. Il reste 90 km à parcourir et la météo s'est un peu adoucie. La course s'est enfin décantée. 11 hommes ont réussi à s'extraire et comptent 1 minute 25 d'avance sur un groupe de contre et 2 minutes 45 sur le peloton. Un groupe d'hommes forts qui a réussi à tirer son épingle du jeu. La composition de ce groupe, on retrouve Aurélien Paré-Peintre, le stagiaire d'AG2R La Mondiale. Il y a également Philippe Gilbert, l'ancien champion du monde, accompagné de son coéquipier Florian Sénéchal. On retrouve également deux coureurs de la Dimension Data, Julien Vermotte et Reinhard Jans van Rensburg. Tom Bolli représente lui les intérêts de la BMC. Il y a également Christophe Laporte pour Cofidis et enfin Johan Ofredo. Ces 11 hommes qui collaborent bien, il y a également dans ce groupe de tête Johan Lebon pour l'équipe Vital Concept. Et sous l'impulsion d'un Philippe Gilbert très en jambes qui souhaite faire des efforts, eh bien ce petit groupe de 11 hommes compte plus d'une minute d'avance sur un groupe de contre où l'on retrouve notamment Samuel Dumoulin et Oliver Nesten pour AG2R La Mondiale. Et il y a également Thomas Bouda, Fabien Doubet, Valentin Madouas et encore Benoît Vaugrenard. On arrive au terme de la succession des monts qui jalonnent cette grande boucle et c'est le moment choisi par Philippe Gilbert pour fausser compagnie à ses partenaires d'échappée. Au sommet de la côte Estrée Blanche, le Belge fait les points et ne relâche pas son effort. Seul Christophe Laporte, qui flaire le bon coup, se glisse dans la roue du coureur de la Quick-Step. On voit les deux hommes qui prennent quelques longueurs d'avance sur leurs anciens partenaires d'échappée. Philippe Gilbert, donc l'ancien champion du monde, qui signe son retour après 2 mois d'absence et une blessure contractée sur le Tour de France. Il est accompagné par Christophe Laporte, le vainqueur cette année du Trobroléon. Deux hommes qui collaborent bien, mais malheureusement pour cette échappée, eh bien rapidement, le coureur de la Cofidis est victime d'une crevaison et doit laisser partir seul Philippe Gilbert. Très en jambes, très en forme depuis le début de cette course, Philippe Gilbert qui multiplie les efforts. Et vous le voyez, Christophe Laporte, donc victime d'une crevaison, qui est obligé eh bien, de changer sa roue et qui laisse partir seul Philippe Gilbert qui, lui, continue son effort. Il ne veut pas relâcher, il ne se relève pas, Philippe Gilbert. Il veut faire des efforts, on l'a dit, son objectif de cette fin de saison, c'est de briller à Paris-Tours. Impressionnant, Philippe Gilbert, victime donc d'une fracture de la rotule gauche suite à une chute spectaculaire dans la descente du col du Porté d'Aspé. C'était lors de la 16e étape du Tour de France. Mais malgré tout, eh bien, c'est insuffisant. Derrière, ça rentre. Il va se refaire reprendre, Philippe Gilbert, mais c'est le moment choisi par Johan Lebon pour anticiper et faire le jump pour le rejoindre en tête de course le Belge.
Derrière, c'est Julien Vermotte qui fait le tempo pour essayer de rentrer sur les deux hommes. Les échappés qui comptent toujours près de 2 minutes d'avance sur le reste du peloton. Un peloton qui devient de plus en plus réduit. Le nombre de coureurs a sensiblement diminué. Il y a eu de nombreux abandons. On le rappelle, des conditions dantesques depuis le début de cette course. À l'avant donc, un ancien champion du monde et un ancien champion du monde junior pour ouvrir la route de ce 71e Grand Prix d'Isberg, mais qui ne parviennent pas à creuser un écart significatif, d'autant plus que derrière, la jonction entre le premier groupe de contre et le second s'est effectuée. Samuel Dumoulin et Oliver Nessen ont été récompensés de leur effort pour boucher le trou entre les deux groupes et ont réussi à rentrer pour le plus grand bonheur de Christophe Laporte qui a crevé et qui a été ramené par le deuxième groupe de contre sur la tête de course. Les deux hommes qui coupent leur effort, qui se retournent. Et oui, c'est en train de rentrer derrière. Un groupe de 18 s'est reconstitué sous l'impulsion d'un Oliver Nessen en très grande forme. Lui qui a brillé à Plouay, qui a fait un numéro du côté de la Bretagne et qui a fait un numéro hier encore sur l'Eurométropole Tour. Même s'il ne s'est pas imposé, c'est lui qui a été le grand acteur de cette course. Il reste une cinquantaine de kilomètres à parcourir et la course s'échelonne en deux niveaux. Il y a à l'avant un groupe de 18 coureurs et un peloton qui est pointé à près de 3 minutes. Un peloton qui pourrait jouer battu s'il ne réagit pas vite. C'est donc un groupe reformé de 18 coureurs qui se présente pour un premier passage sur la ligne d'arrivée. Il reste 4 tours d'une boucle de 12 km, soit 48 km à parcourir. Et les hommes de tête ont près de 3 minutes d'avance sur ce qu'il reste d'un peloton décimé. Soixante-et-onzième édition du Grand Prix d'Isberg, encore une quarantaine de kilomètres à parcourir sous une météo dantesque. Le froid, la pluie et le vent accompagnent les coureurs depuis le début de la journée. Et forcément avec ces conditions, c'est les hommes forts qui sont devant. Une course que l'on pensait dans un premier temps promise aux sprinteurs et qui est devenue une course pour Flahut, une course pour spécialistes des classiques belges. À l'avant, on retrouve Philippe Gilbert, Julien Vermotte, Van Resburg, Christophe Laporte, Oliver Nessen notamment. C'est dire si le niveau est élevé dans ce Grand Prix d'Isberg. On compte également le prometteur Valentin Madouas qui représentera la France au Mondiaux Espoir, dernier rescapé de la Groupama FDJ, pendant que son leader Arnaud Démare a abandonné. Abandon également pour Fernando Gaviria et Brian Coquard. Dans le peloton, eh bien, on sent que cela joue battu. Seul Hugo Hofstetter, en tête du classement général de la Coupe de France, roule à l'avant de celui-ci. Et il ne parvient pas seul à boucher l'écart sur un groupe de devant qui est très organisé, qui collabore bien. Tout le monde passe son relais. Et forcément, eh bien, l'écart reste à leur faveur. C'est bien ça, oui, c'est super. La compétence qui manque, voilà, c'est ça. Génial. Ouais, génial. Pour moi, c'est bon. Reste avec la super en défense. Super. Certaines équipes sont en supériorité numérique, il va peut-être y avoir une course d'équipe. On pense notamment à AG2R La Mondiale qui compte 3 représentants avec Aurélien Paré-Peintre, Oliver Nessen ou encore Samuel Dumoulin. Les Quick-Step Floors peuvent aussi compter sur la présence de plusieurs de leurs membres à l'avant avec Philippe Gilbert, on l'a dit, il est accompagné de Florian Sénéchal. La Dimension Data pourrait également être en supériorité numérique. Et petit à petit, ben vous le voyez, à la pédale, lorsqu'il reste 3 tours à parcourir, eh bien les premiers écarts se font. Les premiers coureurs sont lâchés par le groupe qui est toujours à l'avant avec un Philippe Gilbert impressionnant depuis le début de cette course. C'est lui qui fournit tous les efforts. C'est lui qui accélère dès qu'il y a un petit peu de relief qui se présente sous les roues des coureurs. Et il commence à y en avoir de partout parce qu'on en a plein les jambes dans ce Grand Prix d'Isberg alors qu'il reste une trentaine de kilomètres à parcourir. Johan Lebon eh bien, est obligé de lâcher, lui qu'on a vu très actif à l'avant. Eh bien, malheureusement, il ne pourra pas jouer la victoire aujourd'hui, tout comme Johan Ofredo, victime d'une fringale et qui pointe maintenant dans un troisième groupe, dans une troisième vague.
derrière Tom Bolli qui essaye de fournir son effort pour rester au contact avec Aurélien Paré-Peintre dans un deuxième groupe, mais c'est devant que cela va se jouer, c'est maintenant à la pédale que la décision va se faire. Et dans ce dernier petit groupe de rescapés, on retrouve Valentin Madouas, même si là il est victime d'une petite sortie de route. Il y a également Samuel Dumoulin, Oliver Nessen. On retrouve également les deux Quick-Step, Philippe Gilbert et Florian Sénéchal. Et il y a également Christophe Laporte. Christophe Laporte qui, depuis le début de la course, n'a pas été épargné. Il a dû changer une fois de vélo parce qu'il avait un problème de vitesse. Il a crevé deux fois. Il a fourni des efforts pour rester en tête de la course. Et il est toujours à l'avant, toujours avec la possibilité d'aller jouer la victoire dans les rues d'Isberg. L'excellente opération, elle pourrait être pour Samuel Dumoulin aujourd'hui. Il a 45 points de retard sur Hugo Hofstetter, mais s'il s'impose aujourd'hui, eh bien, il marque 50 points, ce qui lui permettrait de reprendre la tête du classement général de la Coupe de France à deux manches de la fin, puisqu'après Isberg, il ne restera que le Tour de Vendée pour départager les deux hommes. Samuel Dumoulin qui pourrait faire la très bonne opération aujourd'hui, d'autant que Hugo Hofstetter est au-delà de la 10e place. Il ne devrait donc pas marquer de points aujourd'hui. Les derniers passages sur la ligne avec toujours ce petit groupe de coureurs qui va pouvoir aller se jouer la victoire avec un Philippe Gilbert toujours aussi impressionnant. Il est en reprise, on l'a dit, deux mois d'arrêt, c'est sa course de rentrée et pourtant il ne flanche pas, c'est toujours lui qui assure le tempo et malheureusement eh bien, il ne pourra pas compter sur Florian Sénéchal dans les 20 derniers kilomètres de cette course. L'ancien coureur de Cofidis qui est victime d'une crevaison, il va devoir faire un sacré effort pour pouvoir recoller, pour rentrer sur la tête de course, toujours emmené par le coureur de la Dimension Data. Et Sénéchal qui fournit l'effort et qui parvient à recoller. Il a été très rapidement dépanné par tout le staff technique de cette équipe de la Quick-Step. Ça lui permet de revenir à l'avant de la course et de pouvoir peut-être aider Philippe Gilbert dans cette fin de course, dans ses derniers kilomètres. Ici à Isberg où il pleut toujours depuis maintenant 150 kilomètres que les coureurs sont lancés depuis le début de cette course. Eh bien la pluie n'a pas cessé de tomber sur eux, c'est terrible. Et les premières attaques dans ce final avec Christophe Laporte qui décide de partir sur le côté gauche de la route. Et tout de suite, c'est Philippe Gilbert qui fait l'effort pour essayer de revenir dans la roue du coureur du Var, de l'ancien vainqueur du Trobro-Léon. Et Valentin Madouas qui essaye aussi, qui sent le bon coup, qui essaye de recoller. Mais c'est difficile pour le coureur de la FDJ. Valentin Madouas qui sort d'un stage en altitude pour préparer les championnats du monde d'Innsbruck et qui fait l'effort, qui essaye de recoller mais qui ne parvient pas à prendre le bon wagon, à récupérer la roue de Philippe Gilbert et de Christophe Laporte qui pour l'instant s'envole dans les premières positions. Ils ont quelques longueurs d'avance avec un Christophe Laporte également impressionnant qui fournit l'effort, qui fait l'essentiel du travail et Philippe Gilbert bien collé dans sa roue. Et vous le voyez, l'écart est encore minime entre les deux hommes de tête et Valentin Madouas qui amène le groupe juste derrière. Il y a un troisième groupe, ça s'est scindé en plusieurs parties avec notamment Oliver Nessen qui ferme la marche. Christophe Laporte impressionnant à 10 km de l'arrivée qui passe l'essentiel des relais et qui essaye de faire la décision, qui essaye de prendre un petit peu d'avance sur un deuxième groupe où on retrouve Valentin Madouas et Florian Sénéchal. Ça collabore bien avec Philippe Gilbert qui ne flanche pas, qui est toujours impressionnant dans cette fin de course. Après plus de 140 km en tête de course, Philippe Gilbert qui ouvre toujours avec Christophe Laporte juste derrière lui. Et la victoire qui va se jouer entre les deux hommes à l'amorce de ce dernier tour, dans ce dernier tour avec les derniers kilomètres qui sont en train de se passer ici à Isberg. Et ces deux hommes qui à la pédale, qui auraient été les plus forts aujourd'hui, ça aurait été eux les deux coureurs les plus impressionnants, Philippe Gilbert et Christophe Laporte, qui vont se jouer la victoire maintenant. C'est une certitude, même si ça revient bien derrière avec Florian Sénéchal qui a réussi à fausser compagnie au reste de ses échappés. Et on passe sous la flamme rouge maintenant avec le sprint et Christophe Laporte qui emmène depuis 2 km. C'est lui qui assure l'essentiel du train. Philippe Gilbert qui lui dit non, moi j'attends mon coéquipier Florian Sénéchal qui est juste derrière. Voilà, est-ce qu'il va réussir à rentrer Florian Sénéchal pour jouer le sprint? On est maintenant dans les 500 derniers mètres.
Et Philippe Gilbert qui va peut-être lancer le sprint. En tout cas, il est idéalement placé dans la roue de Christophe Laporte. Philippe Gilbert, Florian Sénéchal juste derrière. Et Christophe Laporte qui continue d'emmener. Et le premier à lancer le sprint. Qui va se découvrir? Qui va se lancer en premier? Et c'est Philippe Gilbert qui déboîte, qui attaque. Avec Christophe Laporte qui n'arrive pas à répondre. Philippe Gilbert qui a fait la décision, qui a pris quelques longueurs d'avance et qui va s'imposer pour sa première victoire de la saison. Philippe Gilbert dans sa course de rentrée qui aurait été le plus fort et qui s'impose devant Christophe Laporte. Troisième place pour Florian Sénéchal. Bravo mec. Bravo les gars. Putain, retour hein. Bravo. Bravo. Bravo les gars. Génial. Merci. Super, bien joué. Viens. Il n'avait pas levé les bras cette saison, lui qui a toujours connu le succès depuis le début de sa carrière professionnelle. Et bien voilà, c'est chose faite pour Philippe Gilbert. Christophe Laporte a été très fort aujourd'hui et on a bien collaboré à deux. Et je veux dire, il faut un vainqueur, mais je crois qu'on le méritait tous les deux. Un sprint après une course difficile comme ça, je veux dire, il y a certainement les qualités intrinsèques de chacun, mais après c'est la fraîcheur qui compte et la condition physique. Pour moi, c'est un peu un point d'interrogation. Voilà, je savais pas trop où j'en étais et bon, je me suis bien rassuré. Et c'est la première victoire de l'année, donc ça a un goût. Très, très spécial pour moi. Le jour où je suis tombé, j'étais, je pense, au sommet de ma forme. J'étais devant tout seul sur une étape de montagne du Tour de France, donc ça en dit beaucoup sur mon état de forme à l'époque. Donc, je veux dire, quand on a voilà, coup de malchance qui arrive dans ces conditions-là, c'est toujours plus facile de repartir. Mais je veux dire, j'ai travaillé énormément et voilà, j'ai eu des moments de fatigue également pendant cette rééducation parce que c'était des fois 3-4 sessions par jour et c'était très difficile à gérer tout. 68e succès de la saison pour Quickstep qui continue sa moisson incroyable. Philippe Gilbert aura été le plus fort. Aujourd'hui, Christophe Laporte est obligé de s'incliner. J'ai eu beaucoup de malchance aujourd'hui, j'ai crevé deux fois dans le final. J'ai dû changer une fois de vélo, mes vitesses ne fonctionnaient plus. Quand j'ai changé de vélo, c'est là que le groupe s'est scindé en deux. Je suis rentré tout seul devant. Et voilà, j'ai laissé beaucoup de force dans le vent pour rien, quoi. Et c'est peut-être ce qui me manque aussi à la fin. Et c'est sûrement ce qui me manque à la fin. Si on se retrouvait à trois, j'avais cause perdue. Et voilà, c'était la seule façon que je pouvais envisager pour continuer à jouer la victoire. Donc je me suis dit, voilà, je vais rouler pour pas qu'il rentre. Mais on a essayé d'en garder sous la pédale. Mais au moment là, c'est le sprint. Philippe était très fort. Et moi, j'avais fait beaucoup d'efforts dans les deux derniers kilomètres. Donc je pouvais pas rivaliser. 15e aujourd'hui, Hugo Hofstetter ne marque pas de points pour le classement général de la Coupe de France. Il sent donc le souffle de Samuel Dumoulin revenir sur ses talons. Il y aura une grande finale entre les deux hommes. Ça se passera le 6 octobre prochain lors du Tour de Vendée. Merci de nous avoir suivis pour ce Grand Prix d'Isberg qui a été dantesque avec la magnifique victoire d'un Philippe Gilbert retrouvé après sa chute sur le Tour de France. Le vélo, ça continue et c'est toujours sur Eurosport. Taste.